Mercedes reçoit une grosse commande de véhicules électriques. Des camions, pardon. Le Néerlandais Simon Loos recevra bientôt 75 camions électriques en provenance de chez Mercedes. D'ici 2025, le transporteur disposera d'un total de 135 poids lourds électriques. Il s'agit de la plus grande flotte des Pays-Bas. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'iActros 600? 621 kWh, il promet donc 500 km d'OLTP. Charge maximale 400 kW en CCS combo, ce qui fait plus d'une heure pour reprendre, plutôt 1 heure et demie, ouais, pour reprendre l'intégralité de la batterie du coup, voire peut-être même presque 2 heures si la courbe de recharge n'est pas terrible. Il pourrait donc un jour encaisser jusqu'à 1000 kW. Il est donc prêt pour le MCS. Si nous pouvions auparavant planifier des trajets de 250 à 300 km avec nos camions électriques, nous pourrons désormais pousser jusqu'à 500 km avec ce nouveau modèle. Et ça change tout. Ça signifie que la distance du trajet n'est plus une restriction de planification pour notre entreprise et que nous faisons un grand pas vers l'électrification. Ouais, en vrai, ça commence à être pas mal, hein. 500 km d'autonomie pour un camion. Bon, par contre, c'est dommage qu'il ne soit pas compatible MCS tout de suite, parce que 400 kW, vu la batterie, c'est pas beaucoup finalement. Mais encore une fois, encore faut-il qu'il y ait des chargeurs 1000 kW. Même aux Pays-Bas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, donc à voir. Mais les caractéristiques ont l'air pas trop mal. Même s'il a l'air un peu moins efficient que le Tesla Semi, mais en même temps, le Tesla Semi, bah, il n'est pas prêt à grande échelle, encore une fois, pour l'Europe surtout. Donc, bah, ils ont raison, Mercedes et Volvo, etc., de créer des camions électriques, hein. Ils vont pas attendre Tesla non plus, hein. Et ce qu'ils font, c'est bien, parce qu'ils prennent des parts de marché en avance à Tesla, qui devrait arriver dans 3-4 ans, quoi, en Europe, pas avant. Je vous laisse commenter.